Alors, j'ai compris que sigma, a priori, sigma, si s'en va, c'est pour une bonne chose. C'est-à-dire pour nous débarrasser des antigènes, des envahisseurs. Pas comme les prioris. C'est pour ça qu'on a obtenu des anticorps. C'est pas pour nous faire du mal. Mais comme vous savez, mais ça c'était le militaire de son côté, on peut avoir des réactions hypersensibles. Lorsqu'on réagit d'une manière excessive vis-à-vis d'un danger qui ne l'est pas. Un antigène, comme les autres, un danger, mais pour tout le monde qui ne l'est pas. Donc a priori, lorsqu'on va mettre les anticorps, c'est pour nous débarrasser des antigènes. On fait parfois la liaison d'un anticorps à un antigène. Qui vont être pathogènes, des destructions et entraîner des destructions dissimulées. Alors, voici les quatre types d'hypersensibilité que vous connaissez. Donc, l'hypersensibilité de type 1 qui est médiée par des IgM, qui se fait sur la hématosophie, qui vont faire activer les hématosophies de l'hématosophie. Et l'anticorps en question, c'est bien sûr les IgM. La seconde, hypersensibilité, qu'on appelle également hypersensibilité toxique, c'est une hypersensibilité qui va tuer les cellules. On peut tuer les cellules avec des anticorps. On va voir que les gars, en deux temps, avec les anticorps, il y a trois méthodes. Il y a les anticorps qui vont faciliter la phagocytose, il y a les anticorps qui vont activer le complément, ou bien la TCC. Ou bien, on peut tuer les cellules via les cellules cytotoxiques. D'accord, mais par exemple, les lymphocytes, les cellules. Ou bien on peut tuer les cellules d'une manière non spécifique, ni avec les anticorps, ni avec les lymphocytes. Avec quoi ? Alors, on peut tuer avec des récepteurs spécifiques, peut-être des anticorps, peut-être des cellules, des lymphocytes, des cytotoxiques. Mais on peut tuer également d'une manière non spécifique, avec quoi ? Avec des cellules de l'IgM, des LK, par exemple. Alors, regardez les LK peuvent tuer des cellules de virus, on peut tuer de manière antigénique. Là, c'est un mécanisme de cytotoxicité. Voilà. Mais l'hypersensibilité semi-retardée pour la maxima est due ou bien à la formation in situ de maxima, ou bien au dépôt de maxima formé ailleurs et qui se dépose dans un tissu particulier, essentiellement au niveau purin. Et là, lorsque le maxima se dépose au niveau du tissu, ils vont activer le complément, on va avoir une inflammation et une destruction tissulaire. Et enfin, la dernière hypersensibilité, c'est l'hypersensibilité retardée, elle est purement cellulaire. Les trois premières sont à anticorps, parfois à cellules, mais la dernière hypersensibilité, elle est vécue à des lymphocytes RH1 et des macrophages. Alors, généralement, les anticorps pathogènes, les complexines pathogènes, sont les IgG. Alors, généralement, l'antigène est connu par un interférence, qui possède plusieurs. Et donc, du moment qu'il possède plusieurs épitopes, on peut former des réseaux de complexima. L'anticorps essentiellement c'est l'IgG. Et l'antigène est multivalent. Ce qui veut dire, par corollaire, qu'un antigène monovalent qui est un seul épitope ne peut pas entraîner une maladie à complexima. Voilà, il faut qu'il soit multivalent. Et le risque, c'est bien sûr la précipitation des complexima au niveau des vaisseaux et au niveau membrane basale et tissu, c'est la membrane basale collagéneuse. Ok ? Alors, comment vont agir les complexima ? Trois choses. Les complexima peuvent se fixer au RFC des plaquettes. Alors, imaginons les complexima qui se sont fixés sur l'antigène spécifique, qui est bien sûr le petit valent, jusqu'à la soie. Sur lesquels se sont fixés les IgG, jusqu'à là ça va. Alors, les plaquettes, qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont des RFC, c'est-à-dire des récepteurs, des fragments FC, des IgG, qu'on va appeler des LFC gamma. Alors, voici les plaquettes qui possèdent. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une espèce d'agrégation plaquettaire. On va avoir des microthrombines. Donc ceci va entraîner une thrombose. Donc le premier mécanisme, c'est l'agrégation
plaque de graisse pour faire des ligaments et freiner la surface des plaquettes. Voilà. Le second mécanisme, si vous connaissez mieux que moi, bien sûr, c'est l'activation du complément. Lorsqu'on active le complément, bien sûr, on a la cascade qui va nous emmener vers le complexe de la membrane, mais également, il va continuer pour récupérer de façon C3A et C5A. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Le C3A et C5A, vous savez, très bien, on va attirer les PN qui recrutent et les activer. Les PN recrutent et activer vont libérer les enzymes prothéotiques et vont engendrer les enzymatoires et les cholestérols. Mais également, le C5A et le C3A peuvent activer les masques des basophiles, les granulations d'hypération d'histamine, augmentation de la perméabilité vasculaire. Alors, vous allez devoir répondre à cette question. Les mécanismes de cellules des complexes humains, les maladies complexes humains, font intervenir les plaquettes. Pour intervenir les PNM, pour intervenir les IgE, pour intervenir la fraction C5A, pour intervenir les enzymes prothéotiques et les autonomes du PNM. Donc les bons réponses sont A, B, D. Alors, maintenant on va voir les facteurs de pathogénicité des anticorps. Et le premier paramètre, c'est bien sûr la taille des complexes humains. Et la taille des complexes humains dépend de la concentration en antigène et en anticorps. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on est en excès d'antigène ou lorsqu'on est en excès d'anticorps, la taille des complexes humains est petite. Lorsqu'on est aux œufs équivalents, c'est-à-dire qu'on a autant d'antigène que d'anticorps, c'est là qu'on va former les complexes humains les plus volumineux. Et c'est les complexes humains les plus pathogènes. Donc les complexes humains pathogènes sont ceux sont formés en zone d'équivalence, parce qu'on a autant d'anticorps que d'antigènes. Ok ? Bien sûr, il y a l'expérience classique, lorsqu'on va mettre de l'antigène, on va rajouter de l'anticorps petit à petit. Lorsqu'on atteint le zone de la zone d'équivalence, on va avoir le maximum de précipitation. Lorsqu'on continue à rajouter de l'anticorps, là, on va évacuer une redissolution des complexes humains et leur disparition. Donc, les complexes humains de combat sont ceux qu'on obtient en zone d'équivalence. Et c'est bien sûr les complexes humains les plus pathogènes. Alors, de la taille des complexes humains va dépendre de leur localisation. Et l'exemple typique, c'est bien sûr au niveau du globule rénal. Imaginez le globule rénal avec l'endothélium, puis qu'est-ce qu'il y a? La matrice alvéolaire et le versant épithéliaire formé par les podocytes. Tout ça, vous le connaissez. Alors, lorsqu'on a des complexes humains de grande taille, ils vont être bloqués au niveau de l'endothélium ou au niveau de la membrane basale. Lorsqu'ils sont de petite taille, ils peuvent traverser la membrane basale, mais on va les trouver au niveau du versant épithélial. Ok ? De la taille de ces complexes humains va dépendre de leur localisation. S'ils sont de grande taille, ils vont être bloqués au niveau de l'endothélium ou au niveau de la membrane basale. S'ils sont de petite taille, ils vont pouvoir passer à travers la membrane basale ou l'endothélium, on va les retrouver au niveau de l'épithélium. Est-ce que c'est clair ? Deuxième paramètre ou facteur de pathogénicité complexe humain, un anomalie c'est la taille, le second c'est le complément. Alors vous savez très bien que le complément peut jouer deux rôles. Ou bien un rôle bénéfique qui est celui de la clairance du complexe humain. Vous comprenez ? L'eau, fragment C3B qui se fixe sur les excès des complexes humains transportés par le CR1, les globules rouges, jusqu'au. Quelquefois, on va avoir un échange avec les macrophages et clairance des complexes humains. Donc là, c'est un effet bénéfique du complément. Ou bien, un effet péjoratif, lorsque l'activation du complément engendre la libération du C3A et du C5A. Alors, vous connaissez les effets du C3A et du C5A. Ok ? Tout ça, ça va ? Troisième paramètre, la cryosolubilité. Alors, que veut dire cryosolubilité ? Certains anticorps sont qualifiés de cryoglobulines. Pourquoi ? Parce que lorsque la température baisse, ces anticorps vont précipiter. Et donc, chez les malades ayant des cryoglobulines, généralement liées à une infection chronique par les virus, ces anticorps vont se déposer au niveau des extrémités, exposées bien sûr au froid. Et lorsqu'on a un dépôt de complexe humain au niveau des extrémités, il va y avoir. Et les gros, parce qu'ils vont se déposer dans les cristaux, ils vont aller voir la formation et le. Okay.
maladies à complexima en tout cas présente des atteintes glomérulaires, des atteintes rénales. C'est inévitable. Ok? Un quatrième paramètre, c'est l'affinité tissulaire pour certains antigènes. Alors l'ADN, voilà, comme ça, il a une affinité vis-à-vis de la membrane basale glomérulaire. Alors, chez les maladies, qu'est-ce qu'on a? On a des anticorps glomérulaires, peut-être des anticorps ADN natifs. Si l'ADN est augmenté au niveau de la membrane basale, les anticorps anti-ADN vont se fixer sur cet ADN. Et ceci va constituer quoi? Un complexe immun. Un complexe immun active le complément. Et on va libérer du C3A, du C5A. On va attirer les polynucléaires du profil, on va les activer, on va les détruire le glomérule. C'est la nécropathie du lit. Voilà. Et enfin, certains facteurs génétiques et environnementaux. Certaines personnes qui aiment mieux que d'autres les complexes immuns. Alors, il y a certaines personnes qui ne perdent pas vraiment d'une manière efficace les complexes immuns. Quand je vous dis, on parle quel mécanisme. Pour certains déficits en complément, des fois en C2, en C4, vont faire qu'on n'arrive pas à clairer correctement les complexes. Parfait. Alors, citer trois facteurs de pathogénie des complexes. C'est très facile. Choisissez 3 parmi ces 10. Ok? Donc, taille, haute, alors, le phénomène d'Athus dépend des anticorps de classe de type IgE.
Trois blocs ici. Ils se caractérisent par un délai d'apparition. C'est un arbre, alors sous-jacent sans civilisation terre. Peut-être transférer la lumière ou par l'intérieur. Les exemples humains du phénomène d'Arthus. Alors, essentiellement, les alvéolites allergiques extrinsèques, on voit chez les vertébrés, chez les alvéoles, chez les champignonistes. Alors, lorsqu'ils sont en contact avec les spores, les champignons, ils vont fabriquer des anticorps contre ces spores et ces champignons. Et une fois qu'ils sont sensibilisés, lorsqu'ils sont en contact, encore une fois, avec ces mêmes antigènes, il va y avoir un dépôt de complexe humain, antigènes, anticorps, au niveau de leurs alvéoles. Je me suis ici au niveau des alvéoles. Que c'est complexe humain, c'est mon père. Complexe humain. Hein? Et ils vont pas. Alors, on va répondre à
Alors, peut se voir chez l'homme suite à l'éjection de sérum hétérogène. Sans délai d'apparition et d'un développement du fait que le sujet soit sensibilisé ou non. Lorsqu'on est sensibilisé, forcément les autres sont là, donc je vais voir cette année où il faut manier. Et on va voir la maladie d'emblée. C'est logique, vous voyez. Alors, se caractérise par sa réversibilité. Donc, une bonne réponse. Sans que c'est. Ah, je me suis. Alors, chose chronique. RSC, un individu qui n'est pas sensibilisé. On lui a injecté l'antigène en question. Il commence à sensibiliser les anticorps. On atteint la maladie qui avance. Au bout de 8 jours, elle a terminé pas sensibilisée. S'il était déjà sensibilisé, les anticorps ont déjà modifié, etc. En tout cas, est-ce qu'on attendrait 8 jours pour avoir la maladie? Non. Les anticorps sont là. Dès qu'on a généré tous les antigènes, on va avoir un défaut des complexes. Donc, la maladie sérieuse. Voilà. Donc, forcément, le décès. Ok. Alors, la maladie sérieuse expérimentale peut devenir chronique. Et une réaction de hypersensibilité de type 1 est l'équivalent en pathologie humaine à la maladie sérieuse pour le dernier. Alors, et à la venue d'une activation du système complémentaire. Oui ou non? Il faut que c'est parti. Et souvent asymptomatique. Non. Donc les bonnes réponses sont A et B. Alors, la maladie à complexité, les maladies à complexité sont la maladie du poumon de Fermier. La dermatite atopique. Non. alors on va utiliser une technique qui est beaucoup dans la production qui s'appelle
suis normalement déchargé rapide puisque j'ai un. Alors, comment on va dans JP, alors la multiplication double de toutes les pyramides, c'est très simple. On va créer un G. On n'y va pas avoir de trous centrales et des trous existants. Alors, dans ce trou central, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ses approximations. Jusqu'à là, ça va? Là, il y aura le précipité. Et au niveau de ces trous concentrés, on va mettre des anticorps. Anti-IgA, anti-IgG, anti-IgM, anti-C3, etc. Et, jusque là ça va? Alors, les complexes vont diffuser les anticorps anti-IgG, anti-IgA, anti-C3 vont également diffuser. Si le malade a un peu des complexes de type IgG, donc c'est pas grave, parce que quand on crée des anticorps, il va y avoir une précipitation. Voilà. Là, lorsqu'on voit que l'idée de précipitation va faire une complexité de type IgG. OK ? Comme le mot ici, deux lignes de précipitation sont envoyées là. Est-ce que vous les voyez ? Donc là, c'est des lignes de précipitation qui vont dire qu'il y a des conditions de dire des types. Sinon, in. Alors, on peut rechercher le dérivé des complexes au niveau des sucres. Alors, est-ce que vous connaissez la structure en complexe ? Les bleus de sucre. Ça consiste en quoi ? Alors, si il dit une question en maga, pour lequel il le plus proteste. Alors, c'est les. Des fois, on n'a pas les quatre critères. Et le malade va mal, on a besoin de commencer le traitement de fond. Alors, on peut céder d'un critère qui n'est pas un critère diagnostique, mais qui est un argument de taille de farmacologie. C'est quoi ? On va faire un petit peu aussi. On va rechercher le dépôt de complexina au niveau de la jonction de la complexina. D'accord ? Alors, les complexina peuvent être digérés, peuvent fixer le complément. Donc, on va utiliser une technique très particulière qui s'appelle IFD. On va juste mettre un anti-corps marqué par la fluorescence et qu'on peut visualiser avec un microscope à fluorescence. On peut faire la même chose avec les tensions et aussi rien. Là, c'est un exemple de l'hémopathie publique. Là, où il y a le dépôt de complexina au niveau de la membrane basale. D'accord ? Hein ? Le dépôt est granulaire, forcément. Alors pourquoi le dépôt est granulaire ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai deux comme un dépôt linéaire, c'est vrai, il y a un tas, une. Ça ne vaut pas sur l'exploré, ça. Il y a les anticorps à des membranes basales primaires. Le dépôt est linéaire, je vais être sans risque. Là, c'est pas un dépôt linéaire. C'est vrai que la photo n'est pas très différente. Là, c'est un dépôt granulaire. Alors pourquoi le dépôt serait granulaire ? Il y a une implantation de l'antigène pour se faire au hasard. Alors que lorsque le dépôt est linéaire, ça veut dire que l'antigène fait partie de la structure de l'interaction. D'accord ? Alors, pour la mort, on peut également avoir des dépôts linéaires, mais pas aujourd'hui, qui sont des dermatoses pluviosos. D'accord ? Donc on a des anticorps dirigés contre la substance intercellulaire. Là, lorsqu'on a un dépôt linéaire, c'est que les antigènes contre lesquels sont dirigés les anticorps se sont déposés de manière aléatoire. Qu'est-ce qu'il faut au niveau des reins, là, au niveau des reins, la DNCP.